Salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. Donc, dans la foulée de l'autre épisode, comme je l'avais promis, on va faire les trois boosters qui nous restaient. On est toujours à 60 en gemmes, on est toujours à 100 au niveau de l'or. J'avais fait, on est dimanche, donc voilà. On avait trop courant et on avait trop inhabituel à la fin de l'épisode précédent. Le coffre est maintenant ouvert à 53,1%. On a toujours nos 4 jetons. On est toujours au niveau 50 au niveau de la maîtrise. C'est quoi ça? Mythique? Ah oui, non, mais ça c'est pour ceux qui payent. D'accord. Ça m'étonnait aussi. J'en croyais pas mes yeux. On va aller directement sur les boosters. Alors normalement, on devrait avoir un mythique qui sort quand même. Pas du côté où on pensait, mais... Allez, on est parti, premier booster. Eh ben, un mythique, un inhabituel et un courant. Ça fait 4-4, ouais c'est ça, 4 courants, 4 inhabituels et un rare mythique. Ok, bon, bah écoutez... Que demande le peuple. Alors au niveau des cartes, donc l'inhabituel, on vient d'en parler. On va sur Pèlerin Touk, carte verte, hein, qu'on a déjà. Ouais, je sens que ça va devenir pénible quand même, hein. Il faut tenir jusqu'au 66. Merci. Enfiler l'anneau, ça par contre ça va m'être utile. Ah, quoique je l'ai pu maintenant sélectionner celui-là. Ah, je pense pas que je l'ai sélectionné. Tant pis. Donc, enfiler l'anneau. Carte blanche, hein, qu'on connaît. Ça doit être mon troisième. Ouais. Mon troisième exemplaire. Le Joker, on en a parlé. On passe à une carte blanche qu'on connaît aussi. C'est Vaillant d'Osgiliath. Donc, voilà. Je vais finir par m'endormir pendant la vidéo. Ça va être quelque chose de bien. Ici on est sur une carte rouge toujours connue, hein, Forge Flamme d'Erebor. Donc voilà. Ouais. Et elle est suivie par une carte noire aussi qu'on connaît, le Tourment de Gollum. Donc voilà. Guillaume, dis donc. Première grosse carte de la session, j'espère que j'aurai plus de chance que la session d'avant parce que franchement ça devient pénible si c'est ça. Allez, parti. D'accord, une carte Groul. Gimli, Vengeur éploré. Ouais, on l'a déjà eu celle-là, je m'en souviens. Pour une fois. Ok, bon écoutez, que dire? On est reparti sur une rare. Et là, dans bah, pas cette session-ci, mais la session prochaine, je devrais pouvoir ouvrir, gagner encore un booster, quoi. Ok. Bon, écoutez, que demande le peuple? Allez, on est parti. Deuxième booster. Et hop, c'est parti. Alors, aucune carte nouvelle, évidemment. Donc on commence par une carte blanche qui s'appelle Perdu dans la légende. Je me rappelais même pas l'avoir vu celle-là. Suivi de Abominable Bête Vorace. Ça, par contre, oui, je me rappelle bien en avoir eu au moins 2-3. Donc là, on est soit sur la fin, soit sur l'avant-dernière. Elle-même suivie de Vigile du lac du miroir. On en a pas mal aussi. Niveau 3. Niveau 3. Niveau vert. Je commence vraiment à fatiguer. Carte rouge cette fois-ci. Massue improvisée.
On en avait eu lors des sessions précédentes des massues improvisées. Elle est suivie par la clairvoyance elfe. C'est Gimli là dans le truc. Ok. Rohirrim implacable, cette fois-ci on est sur une carte rouge. Et on continue avec Dar de Hobbit, carte blanche qu'on connaît bien maintenant. C'est un équipement ça? Non. C'est une carte de blessure, ok. Ok, ok. Bon, deuxième grosse carte de la session. J'espère qu'on aura plus de chance que ce qu'on a eu lors des sessions précédentes, parce que là ça commence à devenir énervant quand même. Alors, une grulle, c'est les portes de Durin. Ok. Bon. Bah écoutez, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut vraiment pas. Bon. On continue. Dernier booster. Alors, j'espère que ça va peut-être changer au moins sur le dernier. Même pas. Aucune nouvelle. Landroval, témoin de l'horizon. Pas mal d'oiseaux quand même hein, dans l'extension. En blanc surtout. Ok. Elle est suivie par l'arrivée du roi sorcier. Elle est quand même pas mal celle-là, comme pour un Golgari. Ok, oh, c'est cool. On est bon. Alors, on continue. Enfin, sur pour mon Golgari, elle irait vachement bien, je trouve. Ah ouais, non, mais c'est pas une, c'est une carte de sort, ça. Ok. Navigateur du Havre Gris, bah c'est, on l'a eu lors de la session précédente, je crois, si je dis pas de bêtises. Un joker courant, ça nous en fait 5. Elfe rencontré par hasard. Donc ça c'est une carte verte. En carte blanche, évasion d'Hortank, on l'a eu aussi la session précédente. Et on termine avec la carte rouge qui s'appelle Fureur de Gimli. Ok. Bon, écoutez, pas de bol. Vraiment pas de bol, ça va devenir difficile là, sur la fin. Alors ici, dernière grosse carte. J'espère que... Allez, au moins une quoi, la dernière. Allez, on est parti. Eh ben non, c'est encore Bédor. Fille de la rivière. Punaise. Bon bah pas de bol. Pas de bol. Bon, on va retourner sur le profil. On est bien au niveau 50 au niveau de la maîtrise. On est bien au niveau de la collection d'extension. Et le renouveau se fera bien le 5 septembre. Alors ici, 74, on n'a pas bougé malgré les cartes qu'on a. Ok, il garde toujours les 3 cartes pour terminer en bas, les courants. On est à 64 sur 88. On est à 45 et il nous donne aucun mythique, hein, évidemment. Ils font de la rétention à mort. Bon. Je sais pas si j'ai assez de temps, mais bon, tant pis. Au pire, je mettrai une image après. 74. Et il reste combien? Alors attendez, au niveau boutique. Allez. Ok, 5, on est qu'à mi-chemin. Dans 5 boosters, on aura un golden. Ok. Bon,
Bah, il n'y a pas de questions à se poser. Hein. Dans deux émissions, normalement, on devrait pouvoir avoir le Golden, je pense. Ok. Bon, bah, sur là-dessus, on va se laisser. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous passez d'agréables vacances d'été. Et quoique, quand vous verrez cette émission, je pense qu'elles seront passées depuis longtemps. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, profitez de cette vie. Allez, bye bye tout le monde. Salut! Thank you.